広がる闇の中かわし合った革命の契り誰にも邪魔させるわけにはいかないからde vin et yosh la famille, petite surprise, on était censé être au restaurant, changement de programme, un titi exécrable, je pleure, fatigué, donc il est là, il fait dodo juste derrière, donc nous on a changé de plan, on a dû improviser, c'est ça la vie de parents en voyage, donc on est parti au supermarché, donc qu'est-ce qu'on mange dans un supermarché au Japon, le repas, qu'est-ce que tu manges? Du poisson, c'est bon, en fait c'est un peu sucré. C'est caramélisé, on dirait. Le sésame qui doit sucrer, je pense. C'est bon. C'est bon. Super bon. Toi, tu manges pas? Moi, j'ai goûté ça. Ça, voilà. Si vous voyez bien, c'est un joli poisson séché. Bon, c'est un peu. Je sais pas si vous voyez bien. Un peu caoutchouteux. C'est pas mal. Pas très calorique. Non, non, c'est le poisson. Vous aussi. 75 calories pour le paquet. Pas mauvais. J'ai jamais goûté la Sapporo. Elle est énorme. Elle est énorme. Meilleur blond 5%. Elle est pas meilleure du tout. Elle est meilleure que la Asahi. Franchement, elle est excellente. En mode petite brochette. C'est froid. On a un micro. Lol. Merci de garder la fenêtre ouverte, il pleut pas dehors. Bien sûr. Bien sûr. Et bien sûr, il fait 2 degrés, bien sûr. Good. Dis-moi si c'est meilleur. Et là, c'est le drame. C'est le drame. C'est la chute de la brochette en direct. C'est bon. Alors, elle est bonne, cette brochette. Un goût de poussière. Ensuite, on attaque les petites huîtres frites. Ouais, c'est bon. On dirait qu'il n'y a pas que des huîtres. Il y a à boire et à manger dedans. Ça, les petites huîtres frites, là, c'est excellent. Vous avez tout le côté iodé frais de l'huître. Sans le côté un peu... glaio. Oui. Morve. Ah, faut le dire, ce qui fait peur aux gens. Hein. Voici des huîtres tirées du panier. Ça, c'est le petit côté kawaii du genre. Ça, c'est le côté, regardez. Ça, c'est les petites huîtres. Et il y a le bébé. Je pense que c'est exactement le même coin. C'est une ouverture facile. Une de plus. Bon, on va changer de main. C'est comme pour voler au nigiri, c'est un vrai bordel. Quoi. On va changer. Ouais, j'y arrive pas. Je vais m'y atteler, quoi. Alors, une ouverture facile, toujours très facile. Et c'est la merde, c'est la même merde, c'est la même merde. Il n'y a rien de facile. Bon. Voilà, ça, hein, je prends le schnitz et on y va. Voilà. Alors, ça, c'est facile, très facile. Je fais la peau aux huîtres. Moi, j'ai plein de flottes. Wesh, regardez-moi ça. Oh là là. Elles ont rendu l'euro. Oh là là. Oh, c'est un carnage là partout. Faut y aller, quoi. Chers huîtres, comme vous êtes jolies et même appétissantes, faisons un tour en bons amis à marée descendante. Est-ce qu'elles ont un petit goût? Est-ce qu'elles sont préparées? Bon appétit, bien sûr. Mais c'est bon. Elles sont préparées, toi? C'est trop bon. Elles avaient été gobées. Toutes gobées. Oh. Il y a un petit goût légèrement citronné, très léger. Il n'y a pas besoin de préparation, c'est parfait. Cette petite merveille. Alors peut-être que beaucoup d'entre vous n'aiment pas. C'est des œufs de saumon, ça s'appelle Ikura. Nous franchement on a découvert ça avec le Japon. Ces petites perles, c'est comme des gros œufs de lin, mais elles explosent en bouche, elles sont bien bien moins salées. Et franchement ça c'est extraordinaire. Moi je suis ultra fan de ça. Non, on sent bien la merveille. J'adore faire ça. Le faire éclater contre ma palais. Vas-y. Ma langue, j'adore ça. Et on a vraiment la mer en bouche.
fais-nous éclater ça. Le goût de la mer. C'est bon. Ouais. Une explosion de gueule. Ça s'appelle Ikura. Bonjour entre 16. On voit clairement une qualité de saumon très moyenne ici. Et là, on est sur une qualité un peu plus haut de gamme. Hein. On voit bien les stries. Commence par le moins bon. Et dis-nous ce que t'en penses. Enfin, potentiellement moins bon. Ça doit pas être mauvais quand même. On n'est pas sur du sashimi de Paris. Hein. Il est bon. Il est bon. Carrément. Et son petit frère à côté, avec la peau luisante, le poil soyeux. Petite couche de gras. Couche de gras, un peu plus gras, je pense. Un peu plus gras. Beaucoup plus tendre. Beaucoup plus tendre. Est-ce que vous savez ce qui fait la tendresse d'un poisson? Bah, c'est le gras. C'est con. Beaucoup plus tendre. En bouche. C'est le gras. C'est comme dans le bœuf. Le bœuf de Kobe, pourquoi il est tendre? Parce que le gras, il est. Le gras dans le Kobe, c'est comme dans le poisson, il a pénétré parfaitement. Il n'est pas strié comme ça dans le Kobe, mais il est des micro-alvéoles de gras. Et c'est ce qui donne toute la tendresse du poisson. Je vais goûter le blanc. Celui-là. Tu viens de le goûter ? On le connaît celui-là. Il est toujours un peu chelou, il est toujours un peu juteux et jamais très bon. C'est lui. Pâteux et gluant. Et gluant, c'est surtout ça. Franchement, j'ai l'impression de faire Koh-Lanta. Alors, dans un premier temps, c'est Magali et Fabien qui vont manger un verre coco, deux, une menthe religieuse et trois, un kappa. Non, mais parce que hier, on l'a eu au restaurant. C'est-à-dire, celui-là, il est pas bon, tout ça. Je l'ai mangé, mais il était moins pire que celui-là, il est vraiment pas bon. Avale-le, bois un coup de bière. J'ai le même problème. Faut faire passer. Il n'y a plus de bière. Faire passer. Non. Je peux pas couper, c'est trop drôle. C'est horrible. Ça mousse comme on peut. Hein. Je sais pas si vous allez me donner le nom du poisson. Là. Et celui-là, il est. Qu'est-ce que ça peut être comme un calamar pas cuit. Mais le calamar, c'est bon. Hein. Non, c'est pas ça. Là, c'est pas, pas bon, la texture ça. Du calamar. Voilà, putain, j'ai eu des sueurs. J'ai les larmes aux yeux. On me dit toujours qu'il n'y a pas de dessert au Japon. Ce qui est complètement faux. Il y a des pâtisseries partout. Des petits cakes partout. Et on trouve des petites saloperies comme ça. Après, partout. Crème, cacao. C'est effectivement un tiramisu. Un tiramisu. Ce n'est pas dégueu du tout. Plutôt bilan, pas mal cette petite tiramisu. Allez, c'est parti pour la crème brûlée de Didine. Comme dans My Boss My Hero. C'est quoi My Boss My Hero? C'est le drama qui me fait aimer le Japon, tout simplement. Ah, peut-être que vous ne savez pas. On vous met le petit. Allez, je vous mets la petite vidéo pour vous faire plaisir. Ce passage est mythique. Tous les jours à la cantine, il y a exactement 12 puddings par jour. Et seuls les plus rapides et les meilleurs ont accès.
petite crème brûlée. Alors, elle est très bonne. Déjà, c'est pas une crème brûlée, c'est pas un pudding comme dans I Boss My Hero. En fait, c'est une crème aux œufs. C'est comme un flan. Donc, c'est le même qu'un flan, c'est très très bon, mais c'est pas une crème. Ouais, enfin, clairement, bon, on peut pas quoi faire une vidéo là-dessus, quoi. Pourquoi ? Si ? Est-ce que ça vous intéresse vraiment cette crème aux œufs ? On s'en fout un peu en fait. Non, mais l'intérêt c'était de faire la vidéo avec My Boss My Hero. Par contre, j'espère que vous avez aimé le passage de My Boss My Hero qui est notre drama préféré. Le passage est hilarant, la série est hilarante. Bon, allez, c'était la Dégringo Team. Sur ce, on va faire dodo demain. Hokkaido. Bye bye.